faisait partie, je pense, de mes croyances au niveau alimentaire, au niveau de la culture en général. Pour moi, c'était naturel d'être comme je suis là. Pour moi, acheter localement puis régionalement, puis consommer ce qu'il y avait à proximité, puis protection de mon environnement, je pense que ça faisait partie de ma nature depuis que je suis très jeune. Le futur, puis c'est calme, c'est reposant. Je suis tellement bien ici, moi. Pour moi, Slow Food, écoute, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie. Ça a toujours fait partie de ma vie, sans le savoir avant. Maintenant, je le sais. Je ne partirai pas comme un missionnaire pour essayer de convaincre les gens avec un crucifix, des choses-là, mais je vais essayer de les convaincre en leur parlant, en les rencontrant, surtout les jeunes. Je vais faire comme mon compétiteur qui s'appelle McDonald's. Je vais aller chercher des seafood dans le berceau pour les convaincre de mieux manger. 15 pouces et demi. J'espère un jour de réaliser mon grand rêve, c'est que les gens consomment vraiment ce qui se produit dans nos régions au Québec, puis surtout dans ma région. Actuellement, moi, je crois que le projet avance, le projet de société que je me suis mis comme projet, si vous voulez. Puis c'est mon projet personnel à moi. C'est pas le projet des autres, c'est mon rêve à moi. Puis je pense que je rêve, j'ai le droit de rêver. Pour moi, c'est ça qui est une richesse, c'est de garder mes enfants en région, puis donner une chance de grandir. Puis mes petits-enfants, mais c'est ça je veux leur laisser, moi, de l'espoir, et surtout un avenir. Si on ne leur donne pas de l'agriculture, il va nous rester quoi? Je n'ai pas de nourriture, pas de vie. C'est bien le fun d'avoir l'industrie forestière et minière, mais moi, j'ai tout eu comme principe. Un arbre, ça prend 75 ans à pousser. C'est une épinette, ça prend 75 ans à pousser. Puis une carotte, ça prend 75 jours. Fait qu'on a un choix de société à faire.